top et après je... Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette conférence donc du vendredi 28 juin 2019 au site universitaire SIX à Cherbourg a pour thème la classification périodique à 150 ans. On voit ici effectivement donc Dimitri Mendeleïev et à l'occasion donc de ces 150 ans, comme vous le voyez ici, les Nations Unies ont décidé de faire une année internationale sur la classification périodique. On a tous vu ça dans nos livres de physique et de chimie. Et vous voyez ici l'affiche donc officielle internationale donc des Nations Unies. Alors, en tant que professeur, et il y a probablement aussi des professeurs qui suivent la conférence, il y a des critiques à faire dans l'écriture, n'est-ce pas, puisque on sait très bien que le chiffre qui est là en haut et à gauche devrait être en fait en bas, puisque c'est le numéro atomique de l'élément, et pas en haut, donc je ne sais pas, personne n'a relu probablement. Et donc en fait, voilà, on va parler du Mendeleïevium, sa plus longue durée de vie, c'est pour l'isotope 258, et donc c'est le 101, qu'on écrit donc en bas à gauche, et en haut on met la masse, on doit mettre la masse atomique et non pas le numéro. Peu importe, on ferme la parenthèse et on reprend cette conférence historique donc du classement des éléments. Les prédictions de Dimitri Mendeleïev, vous allez voir à quel point c'était un bon chimiste, parce qu'il était capable de prédire les propriétés chimiques d'éléments que l'on ne connaissait pas encore à l'époque, que l'on n'avait pas encore découvert, et vous allez voir qu'il ne s'est peut-être pas beaucoup trompé. Et puis enfin, bon, évidemment, toute la classification d'aujourd'hui entre l'hydrogène, le numéro 1, et le dernier, le 118, l'oganesson. Alors on peut dire qu'elle est complète avec ses 118 éléments depuis très peu de temps, puisque vous voyez, tous les éléments ont un nom reconnu de façon internationale aujourd'hui, depuis décembre 2016 simplement. Et pour retrouver les premières tentatives de classement d'état de la matière, évidemment, il faut remonter très loin en arrière, on peut remonter jusqu'à 2500 ans en arrière. Mais tout d'abord, quelques mots donc sur la classification d'aujourd'hui. La voici, comme peut-être vous ne l'avez d'ailleurs jamais vue, donc avec ces 118 éléments, quelques détails. Donc, comme vous le savez sans doute, les éléments sont déterminés à l'origine par leurs propriétés chimiques. Et ces propriétés chimiques dépendent du cortège électronique de chaque élément, c'est-à-dire du nombre d'électrons qui composent son atome. Pour les derniers, toutefois, il faut bien dire, en gros, du 100 au 118, qu'on n'a pas assez de matière pour faire une identification par la chimie. Mais pour tous les autres, c'est valable. Et comme l'atome possède autant d'électrons qu'il y a de protons à l'intérieur de son noyau atomique, on a décidé de définir un élément par son nombre de protons. C'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Ce numéro atomique, on peut dire en gros que c'est le dossard de l'élément. Si on parle de l'élément 33, c'est forcément de l'arsenic. Si on parle du 41, c'est du niobium. Si on parle du 92, c'est l'uranium, etc., etc. Notre planète, en fait, ne renferme que 98 de ces 118 éléments. Du premier au 92e compris, sauf les 43 et le 61, vous voyez donc les cases ici qui sont évidemment cachées. Sur ces 90 éléments, 9 sont radioactifs de façon naturelle. Ici sont mis en bleu, avec un fond bleu, les éléments qui sont uniquement radioactifs. Et donc vous voyez qu'en dehors des deux dont j'ai parlé qui sont cachés, ça concerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments ici, entre le 84 et le 92. En revanche, évidemment, maintenant, avec les éléments artificiels créés par l'homme, on a tous les éléments jusqu'au 118e, mais vous voyez qu'on rajoute à ce moment-là le 43, le 61, sans problème, et puis tous ceux, évidemment, du 93 au 118. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Eh bien, en fait, dans l'univers, on a les 94 premiers. Au moins, les 94 premiers jusqu'au plutonium. Certains disent qu'on peut peut-être aller jusqu'au 96, qui est le curium, mais ils ne sont pas tous d'accord. En revanche, ils sont tous d'accord pour dire qu'on arrive jusqu'au 94e. Ceci se produit dans ce qu'on appelle les supernovae, c'est-à-dire l'explosion des supergéantes rouges. C'est l'objet d'une autre conférence que j'ai d'ailleurs déjà faite, que je pourrais refaire plus tard si ça intéresse, ça fait longtemps que je l'avais fait, en particulier à l'univers. Et 94 éléments donc dans l'univers.
Alors, si on reprend maintenant l'histoire, vous voyez, le premier qui va poser les premières pierres, en fait, d'une conceptualisation du monde, on est 600 ans avant Jésus-Christ, c'est Thalès, qui est connu aussi pour son fameux théorème. Et il postule que la nature est composée d'objets, de corps, d'êtres vivants, mais que tout peut être ramené à quatre éléments premiers, le feu, l'air, le taux et la terre. Et comme disait Gottlieb dans un de ses dingos dossiers, je prends ça, je mélange tout ça et je fais un boulon de 12. Bon, ça montre tout de suite évidemment la limite de ce genre de classement. Platon va reprendre plus tard, 2 siècles après, comme vous pouvez le voir, un peu de choses près, ces éléments, lui, il les associe à des formes géométriques, en fait, reliées à des nombres de triangles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en gros, depuis qu'on a évolué, la base, en fait, de l'alchimie. Aristote associe donc aux quatre éléments de tout à l'heure, de Thalès, des propriétés physiques. C'est-à-dire que vous voyez, on revient un petit peu sur ces quatre états fondamentaux. Il associe la terre avec la sécheresse, l'eau avec le froid, l'air avec le volatile, ce n'est pas illogique, et le feu avec la chaleur, ça n'est pas illogique non plus. Ainsi, donc, vous voyez, selon Aristote, l'eau, grâce au feu, peut se transformer en air, logique, la vapeur d'eau. C'est aussi à cette époque-là que l'idée de transmutation va naître. Alors, une autre école philosophique, à peu près, donc même à cette même époque, c'est celle de Leucippe de Milet et Démocrite, qui est quand même beaucoup plus intéressante. Et ces deux philosophes posent les premières pierres, en fait, de ce qu'on appelait l'atomisme. Et quand vous lisez la phrase qui suit, on ne peut qu'être complètement émerveillé. Le doux et l'amer, le chaud et le froid, les couleurs ne sont que des apparences. En réalité, il n'y a que les atomes et le vide. Tout ce qui existe résulte des chocs et des combinaisons qui ont lieu entre d'infimes corpuscules insécables, tous faits de la même matière et doués de mouvement, les atomes. Ces atomes sont invisibles. Bien sûr, les atomes étaient invisibles puisqu'ils ne pouvaient pas les voir. Mais vous voyez, tout ce qui existe résulte de combinaisons, etc. Vous avez toute la chimie là. Et puis auparavant, le doux, l'amer, le chaud, le froid, les couleurs, etc. Vous avez toute la physique. En fait, voilà, ça, c'est effectivement, c'est ce qu'on appelle à l'époque une pensée pré-scientifique, c'est-à-dire qui ne s'appuie pas sur l'expérience. Alors, cette théorie, vous le voyez, est reprise donc par Épicure et encore plus tard par Lucrèce, qui va la traduire dans son ouvrage De Rerum Natura. Alors, les divers états de la matière semblent expliqués par des raisonnements assez simplistes à ce moment-là. Vous voyez, on dit bah, les atomes crochus vont assurer la cohésion des solides, alors que les atomes ronds vont expliquer la fluidité des liquides. Alors, il en reste encore aujourd'hui, et on parle encore aujourd'hui d'atomes crochus. Vous voyez que c'est quand même une très très vieille définition. Pas beaucoup de progrès, en fait, en 2000 ans, pour un classement des éléments. Bon, il faut dire qu'on n'en connaissait pas beaucoup à l'époque, hein. Ainsi, par exemple, vous voyez, au Moyen-Âge, on ne connaît que 7 métaux. L'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le plomb et le mercure. Et comme l'astrologie comptait 7 planètes, vous voyez que j'ai mis des guillemets, évidemment, à planète, puisque ça inclut le Soleil et la Lune, ben on avait fait la relation, le Soleil avec l'or, Mercure, bien sûr, avec le mercure, Vénus avec le cuivre, la Lune avec l'argent, Mars avec le fer, Jupiter avec l'étain et Saturne avec le plomb. Et il en reste quand même des expressions, là encore aujourd'hui, un peu comme les atomes crochus de tout à l'heure. Vous voyez, le saturnisme, on connaît bien, c'est une intoxication au plomb. Et ce qu'on appelle la carence martiale, c'est un déficit de l'organisme en fer. Le premier classement est fait au XVIIIe siècle, c'est celui de Geoffroy, Étienne-François Geoffroy, qui établit, vous voyez, des tables d'affinités chimiques de divers éléments, mais aussi évidemment de divers sels. Ce n'est pas vraiment les éléments, par l'observation des réactions des substances les unes avec les autres. Il classe ainsi les acides, les alcalis, ce qu'on appelle les bases aujourd'hui, et les substances métalliques dans un tableau qu'il présente à l'Académie des sciences en 1718. Nous sommes donc 150 ans avant Mendeleïev et 300 ans évidemment par rapport à aujourd'hui. Alors j'ai un peu agrandi ici le tableau, donc vous voyez, on voit en bas un certain nombre d'éléments, déjà quand même, mercure, antimoine, or, argent, cuivre, fer, plomb, étain, zinc, soufre, et des tas donc de combinaisons, sel ou alcali, ou éléments métalliques. On peut considérer donc, à la fin du XVIIe siècle, qu'on connaît 14 éléments qui sont là, comme vous voyez, donc le carbone, le fluor, le phosphore, le soufre, le fer, le cuivre, le zinc, l'arsenic, l'argent, l'étain, l'antimoine, l'or, le mercure et le plomb.
Voici ce que ça donnerait donc dans la classification d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a encore du travail. Et on va en découvrir 15 au XVIIIe siècle, qui sont, je ne vais pas tous vous les citer, hein, vous les avez ici depuis l'hydrogène. Alors, un certain nombre de gaz hein, qui apparaissent, comme vous voyez, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène. Et puis, ben, on va jusqu'au bismuth, à l'uranium, qui sont les éléments les plus lourds. Voilà, la classification se remplit un petit peu plus. Donc, 29 éléments connus, du coup, à ce moment-là. Et 55 vont être découverts au 19e siècle. Alors là, vous allez voir, on va parcourir ça assez rapidement. 1801, hein, première année donc, de ce 19e siècle, découverte donc, du vanadium. En 1802, le palladium. En 1803, deux éléments, rhodium et cerium. En 1804, deux aussi, osmium et iridium. En 1807, trois éléments, aluminium, potassium et sodium. En 1808, alors là c'est le record, il y en a cinq d'un coup. Vous voyez, le bore, le silicium, le calcium, le strontium et le zirconium. Et nous ne sommes qu'en 1808. 1810, le chlore. 1811, découverte de l'iode par Bernard Courtois. Alors quand je mets un petit drapeau bleu, blanc, rouge, là, c'est que la découverte est faite par un Français, un petit cocorico. Et la première production mondiale d'iode, puisque nous sommes à Cherbourg pour cette conférence, c'est en 1825, première production mondiale à Cherbourg. Tout simplement parce qu'on prenait à partir de là des algues. Donc, en 1817, trois éléments, lithium, sélénium, cadmium. Oui, ça se remplit, hein, là, quand même. Et dès cette époque-là, donc, on commence à disposer d'un nombre assez important d'éléments pour trouver des analogies sur le plan des propriétés chimiques. Et on a l'idée donc de les classer. Et c'est Doberheiner que vous voyez ici, donc un chimiste allemand, qui les regroupe en triades, effectivement, sans se tromper. On va voir tout de suite ce que ça donne sur la classification, vous voyez ici. Voilà, donc c'est le début de ce qu'on appelle les familles chimiques, c'est-à-dire classées en colonnes dans la classification. C'est vraiment l'ébauche de la classification de Mendeleïev, et nous ne sommes qu'en 1817. En 1819, découverte du brome par un Français, Ballard. Beryllium et yttrium en 1828. Le thorium en 1829. Le magnésium, Antoine Bussy, encore un Français, 1831. Le lanthane en 1839. L'erbium en 1843. Le niobium et le ruthénium en 1944. En 60, découverte du césium. En 61, le rubidium et le thallium. En 65, du tantal. Oui, on a l'impression d'une espèce de liste, d'une litanie, mais vous voyez que quand même les découvertes sont très très rapides et que la classification est déjà bien remplie. 1867, découverte de l'indium et de l'hélium. Et donc, à ce moment-là, voilà, on a quand même pas mal de choses dans la classification, que Mendeleïev donc publie sa classification. Nous avons à ce moment-là 63 éléments sur cette table périodique. Alors, il les établit comment ? Ben, tout simplement, il les range par masse atomique croissante, et surtout en se basant sur les propriétés chimiques, ces fameuses colonnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, ici, il y avait un piège. Parce que quand je dis masse atomique croissante, en réalité, le tellure est plus lourd que l'iode. Donc, il aurait dû écrire iode, puis tellure. Iode 52, tellure 53. Eh bien non, ça n'allait pas. Pour les propriétés chimiques, visiblement, ça ne collait pas du tout. L'iode avait des propriétés chimiques qui se rapprochaient de tous ceux qui étaient au-dessus, fluor, chlore et brome, hein, ce qu'on appelle les halogènes aujourd'hui, alors que le tellure, c'était plutôt oxygène, soufre et sélénium, les chalcogènes. Donc il a inversé et ne s'est pas fait piéger. Alors voilà, bon, cette première classification, bon, évidemment, ça ne ressemble pas beaucoup à celle d'aujourd'hui, mais peu importe. Et on a donc, ensuite, on reprend donc ces découvertes. Le gallium, 1875, un Français, Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran. Alors, pour la petite anecdote, hein, gallium, gallium en latin, c'est le coq. Hein. Alors, on lui a tout de suite dit, ah, oh, ben, dis donc, tu te gênes pas quand même, parce que tu t'appelles le coq et t'appelles l'élément gallium. Et alors, il dit, mais pas du tout, mais je n'y ai même pas pensé. Oh, maintenant que vous me le dites, non, non, pour moi, j'ai mis gallium pour la Gaule. Alors pourquoi pas francium, d'ailleurs, comme l'élément
On aura un élément qui s'appelle un petit peu plus tard. Bon, donc voilà, je vous donne l'anecdote comme on la situe. 1878, je continue, donc le terbium. En 79, trois éléments donc dans cette famille en bas là qui s'appelle la famille des lanthanides. Donc scandium, thulium, ytterbium et lutétium, j'ai dit quatre éléments, parce qu'il y a le scandium aussi tout là-haut. Gadolinium et holmium en 80. Praséodyme et néodyme en 85. Le dysprosium, toujours le coq de Bois Baudran en 86. Le samarium en 89. Et l'europium, ah oui, qu'elle est complète à part les. Évidemment, il manque l'élément 61 qui n'est que radioactif et qu'on ne devait pas découvrir puisqu'il n'y en avait pas sur la planète. L'europium par Eugène de Marsay, un Français. 98, enfin, là aussi, découverte donc de quatre gaz, néon, argon, krypton et xénon, et puis aussi donc polonium et radium par Marie Curie, une autre histoire que je vous ai aussi d'ailleurs déjà racontée dans cet amphithéâtre, donc à une autre époque. Le dernier sera le radon, donc vous voyez, voilà, ça fait quand même les 55 éléments, et quand on voit la classification, on s'aperçoit qu'il n'en manque plus beaucoup, hein, tout compte fait. Effectivement, fin 1900, c'est-à-dire donc avant l'année 1901, la première année du XXe siècle, il ne restait que six éléments naturels à découvrir, et le tiers de ces éléments seront faits par une Française et un Français. Ils sont indiqués ici, ces six éléments. Et également, au cours de ce XXe siècle, eh bien, 13 éléments vont être obtenus artificiellement, dont 4 connu dans l'univers, le 43, le technétium, la case 43, le prométhéum à la case 61, et puis, eh bien, le neptunium à la case 93 et le plutonium à la case 94. Les 9 derniers, ben, ça sera au début de ce 21e siècle, dans la première décennie, en réalité. Alors, je vous ai parlé des prédictions de Mendeleïev tout à l'heure. Vous avez vu, donc, il se propose de ranger les éléments chimiques connus en colonnes en fonction de leurs propriétés chimiques voisines et puis par masse atomique croissante. Et il y avait à cette époque-là, on l'a vu tout à l'heure, des cases vacantes. Eh bien, il y range des éléments inconnus auxquels, donc, il donne des noms et prédit les propriétés chimiques. Les noms, ce n'est pas important, mais pour les propriétés chimiques, c'est quand même assez intéressant. Voici tous les éléments sur lesquels il a travaillé. Par exemple, donc l'élément 21 qu'il appelle écabore et qui sera le scandium qui ne sera découvert qu'en 1879. L'élément 31 qu'il appelle éca-aluminium, donc ce gallium dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, découvert par Lecoq de Bois-Baudran en 1975. Donc le 32 qu'il appelle éca-silicium et qui s'appellera germanium en 1886. D'ailleurs, vous voyez, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais cet élément-là, il est appelé germanium parce qu'il est découvert par un Allemand et qui reprend l'hypothèse de Lecoq de Bois-Baudran que le gallium, c'était pour la Gaule. Donc il dit, bah, c'est l'élément suivant, je l'appelle germanium pour la Germanie, c'est-à-dire pour l'Allemagne. L'élément 43 qu'il appelle éga-manganèse, qui sera le technétium, découvert uniquement en 1937. Ensuite, donc, le 75, manganèse. Alors, éca, c'est pour 1 et dvi en sanskrit pour 2. Donc, il l'appelle DM pour dvi manganèse, puisqu'il y avait déjà éca manganèse pour le technétium. C'est l'uranium, donc découvert seulement en 1925. L'élément 85 qu'il appelle écaiode, ce sera la stat 1940. L'écacésium, ce sera le francium en 1939. Et puis enfin, donc, le 91, qu'il appelle écatantal, ce sera le protactinium en 1918. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ces prédictions, de façon plus sérieuse, vous voyez, par exemple, entre l'écabore, ce qu'il avait prévu, et le scandium, il donne une masse atomique qui devrait être de 44, c'est 43,79. Il dit que l'oxyde devrait être, donc, Eb2O3, et c'est effectivement Sc2O3, donc il ne s'est pas trompé sur la composition de l'oxyde. Il estime sa densité à 3,5, c'est 3,864, c'est pas trop mal, hein. Si vous regardez maintenant les comparaisons entre l'écasilicium, ce qu'il appelait l'écasilicium, et le germanium, le véritable élément, on reprend, vous voyez, 72, la vérité est 72,3, densité 5,5,
c'est 5,469, on n'est quand même pas très loin. L'oxyde, pas d'erreur. La densité de l'oxyde, encore moins d'erreur, entre le 4,7 et le 4,703. Le chlorure, pas d'erreur non plus, hein, il forme bien un tétrachlorure, avec un point d'ébullition qu'il a prévu inférieur à 100 degrés, et c'est 86 degrés. Tout ça partant de rien, évidemment, on ne connaît pas l'élément. Hein. Densité du chlorure 9, c'est 1,887. Même chose en bas avec le gallium et les cas aluminium, il s'est un petit peu plus trompé peut-être dans la masse atomique, mais la densité, en tout cas, c'est pas mauvais du tout. Donc voilà pour ses prédictions, et il avait prévu, vous voyez, pour le protactinium également, l'oxyde, il ne s'était pas trompé. Alors, pourquoi 118 éléments, et pourquoi je dis que la classification est complète? Eh bien, tout simplement, vous voyez ici, parce que depuis l'élément 90, c'est-à-dire depuis le thorium, la durée de vie de tous ces éléments radioactifs ne cesse de décroître. On a là une échelle dite logarithmique, c'est-à-dire avec des puissances en secondes. Et pour se fixer l'idée, vous voyez, on est passé des milliards d'années aux milliers d'années, puis aux jours, et maintenant on est même, pour le dernier d'entre eux, inférieur à la milliseconde. Et les physiciens disent que si on voulait faire l'élément suivant, qui serait le 119, on ne sait même pas quels appareils il faudrait inventer pour le faire. Donc je pense qu'on est tranquille pour plusieurs décennies au moins, et qu'il n'y a guère d'intérêt d'ailleurs aujourd'hui à découvrir un élément, parce que les durées de vie sont extrêmement courtes, et on n'a d'ailleurs même plus le prix Nobel pour la découverte d'un élément. Donc, en plus, comme vous le voyez, on n'en obtient que quelques noyaux. Ce que vous voyez ici, vous voyez sur les 9 derniers, on ne va pas tout détailler, mais vous voyez que le nombre d'atomes en fait, qu'on a synthétisés sont quand même très très peu nombreux, et vous voyez que globalement, effectivement, ce que je vous disais il y a un instant, la durée de vie décroît, des fois ça remonte un petit peu, mais vous voyez qu'on passe quand même des dizaines de secondes aux secondes, des secondes aux centaines de millisecondes, puis dizaines de millisecondes, puis moins d'une milliseconde que je vous disais pour le dernier, l'organisme. Et encore pour ce dernier, bon, tout le monde n'est pas sûr, on dit, bon, allez, on va accepter parce que une fausse détection est estimée à moins de 1 sur 100 000. Bon, c'est vrai que c'est raisonnable. Quelle procédure pour nommer un élément? Alors d'abord, ce qui est clair, c'est que les 14 premiers, donc l'origine du nom, remonte à des millénaires. Ça, on n'y touche pas. Et puis jusqu'en 1919, on en dénombre à ce moment-là 86 quand même sur les 92, l'usage a voulu que l'inventeur décide lui-même de ce nom. Il n'y a en fait qu'une exception, c'est pour l'élément 35, découvert par Ballard, dont on a parlé tout à l'heure, qui était à l'époque un jeune pharmacien qui n'avait que 24 ans à l'époque de sa découverte. À ce moment-là, vous voyez, 1819, il est élève chez deux pharmaciens de Montpellier, en même temps qu'il suit des études, il travaille à la faculté des sciences comme préparateur de chimie. Et puis alors qu'il étudie une variété d'algues brunes tirées des prés salés de Montpellier, il en isole une substance qu'il suppose dans un premier temps être un composé d'iode ou de chlore, et puis il fait une analyse plus poussée, il s'aperçoit qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un nouvel élément qui a des propriétés voisines de cela. Sa découverte, donc, elle date de novembre 1925, annoncée en 1926, et il propose le nom de muride, qui vient du latin muria, qui signifie saumure. Donc normalement, cet élément 35 devrait s'appeler muride. Eh bien, la proposition n'est pas retenue par l'Académie des sciences, puisqu'effectivement, il fait sa publication à l'Académie des sciences. Dans le rapport qui est fait par Gay-Lussac, et qui est publié dans les Annales de physique des chimies, vous voyez, on peut lire « Nous avons été chargés par l'Académie, messieurs Thénard, Vauquelin et moi, c'est-à-dire des grands chimistes de l'époque, de lui faire connaître notre opinion sur le mémoire de M. Ballard, donc à l'Académie, hein, ayant pour objet la description des propriétés d'une nouvelle substance qu'il a trouvée dans les eaux de mer. M. Ballard a donné à la nouvelle substance le nom de muride, mais plusieurs objections pouvant être faites contre cette dénomination, nous l'avons remplacée, avec le consentement de l'auteur, par celle de brome, mauvaise odeur. En grec, bromos, ça signifie puanteur. Alors, bon, évidemment, avec le consentement de l'auteur, vous imaginez, ce pauvre Ballard, il a 24 ans, il a en face de lui Thénard, Vauquelin et Gay-Lussac, qui disent, non, mais mon cher ami, je pense que vous allez être d'accord avec nous, on va changer le nom, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, hein? Et c'est vraiment un des seuls exemples où la volonté première de l'inventeur n'a pas été respectée. Et quand il parle d'objection,
ça n'a pas été du tout exprimé. On ne connaît pas les motivations réelles, en fait, de ces trois grands chimistes. Bon, peu importe. Les 32 derniers. Donc, j'avais la barre, vous avez vu tout à l'heure, elle était en 1919. Pourquoi? Parce qu'en 1919, c'est la création de l'IUPAC, qui est donc l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Et c'est une ONG, en fait, qui s'intéresse au progrès en chimie. Et un de ces comités, en fait, qui regroupe des scientifiques, chimistes et physiciens, fixe les règles adoptées, justement, pour la nomenclature, les symboles et la terminologie des éléments chimiques. Ainsi, l'équipe qui a inventé un élément doit proposer à ce comité un ou plusieurs noms qui doivent se terminer par ium, sauf pour les gaz rares, qui, à l'exception du premier d'entre eux, l'hélium, se terminent tous en on, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'argon, le krypton, le xénon, le néon, jusqu'à le ganesson. Et sauf pour les halogènes qui, dans l'univers anglo-saxon, se terminent par in, mais ça a créé évidemment très récemment, en 2016, c'est-à-dire au moment de la nomenclature de ces derniers éléments, une polémique, puisque le 117, en fait, c'est les Américains qui l'ont découvert, ils proposent ténésine, en disant ben, les autres de la famille s'appellent fluorine, iodine, astatine, bromine, chlorine, donc on va l'appeler ténésine. Et évidemment, ça choque beaucoup les Canadiens francophones qui disent, ah mais pas du tout, parce que nous, ils s'appellent fluor, chlore, iode, brome. Non, non, on n'en veut pas du ténésine. Nous, on l'appellera ténès. Ah, ténès ou ténésine. Bon. 74, en tout cas, sur les 118 éléments, se termine par ium. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse, pas très très longue. Certains d'entre vous ont dû voir cette classification ici avec trois lettres, en fait, la première étant en majuscule, classification assez bizarre. En réalité, tout va bien jusqu'à l'élément 101, mais à partir de là, l'identification et la reconnaissance donc, de ces éléments devient plus difficile, et ainsi que l'attribution du nom, parce qu'il peut y avoir plusieurs équipes de nationalités différentes. Et en 1978, l'IUPAC donc propose une nomenclature. Vous voyez, vous pourrez revenir d'ailleurs sur ces planches en vous mettant sur pause si vous regardez ça sur votre ordinateur. Vous voyez donc chacun des chiffres, on en a trois maintenant, hein, puisqu'on est dans des nombres à trois chiffres. Si c'est 0, on va l'appeler nil, si c'est 1, c'est un, puis bi, puis tri, puis quad, etc. Et on rassemble donc ces trois racines pour former le mot, et on termine par ium. Et le symbole est composé donc des trois premières lettres correspondant à ces trois chiffres, la première étant en majuscule. Alors, je vous mets un exemple en dessous, vous voyez, 104, ben, c'est donc 1, 0, 4, donc une nil quadium, avec un symbole donc UNQ. Unil Pentium UNP, etc., etc. Et vous voyez que les autres, donc, s'appelleraient, on peut même aller, il n'y a pas de limite, évidemment, je vous ai mis 190, 200, le 500, 500, pent, nil, nilium, pour le 500, etc. Alors, évidemment, ça a choqué beaucoup les chimistes, parce que les chimistes sont pas habitués à ça, ils ont dit, oh, puis on va pas se trimballer quand même, trois lettres à chaque fois, bien que, pour l'instant, la chimie là-dessus, vous avez bien compris, qu'elle est vraiment inexistante, mais donc peu importe. Et quand va y avoir l'invention, la découverte de ces éléments-là, on va faire comme dans le temps, on va reprendre évidemment des noms qui seront proposés à l'UPAC. Alors, j'ai participé à cette commission en fait de l'UPAC entre 85 et 89. On a droit uniquement à deux mandats de 2 ans. Donc, vous arrivez, donc en fait, c'est un problème d'intervalle. Donc, j'ai assisté à trois sessions de ce type. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, vous voyez, parce qu'on en était aux éléments 106 et 107, comment les nommer et quel symbole donc. Alors l'élément 106, tout le monde était d'accord pour rendre un hommage à Glenn Seaborg, parce que Glenn Seaborg ou son équipe avait découvert le neptunium, le plutonium, etc., tout, en gros les 6 ou 7 éléments après l'uranium. Et sauf que vous le voyez ici, Glenn Seaborg, à l'époque, n'était pas décédé, loin de là. Et si tout le monde était d'accord pour donner le nom d'un élément à Seaborg, donc Seaborgium,
Eh bien, un ou deux ont dit, oh, mais attendez, c'est pas possible, parce que quand même, il n'est pas mort. Alors bon, moi qui était quand même assez jeune à l'époque, j'avais une quarantaine d'années, c'était un peu des réflexions, un peu comme ça, en disant, bah, vous inquiétez pas, ça va bien lui arriver un jour. Bon, comme pour nous tous d'ailleurs. Mais, ben non, non, à ce moment-là, non, non, on n'a pas choisi, on a continué à appeler cet élément 106. Et c'est seulement, vous voyez, en 97, que de son vivant encore, il voit son élément, vous voyez, donc Cyborg, qui montre avec son doigt l'élément 106, symbole SG, sur une classification. Je crois qu'il pouvait être effectivement très fier de voir son nom donné à un élément. Ils ne vont être que deux, en fait, avoir de leur vivant, il y en a d'autres morts, on va voir ça dans un instant, mais de leur vivant, voir leur nom donné un élément. Donc lui, et puis Oganessian, Yuri Oganessian, pour le dernier des éléments, l'Oganesson, le 118e. Mon autre expérience était donc sur le 107. Alors on voulait rendre hommage à Niels Bohr, hein, tout le monde connaît le modèle de l'atome de Bohr, c'est un grand physicien de l'époque. Et alors, comment appeler cet élément? Alors, parce que si on l'appelait Borium, évidemment, ça se rapproche beaucoup de Bohr, des sels borate et borate, vous voyez qu'il y a qu'un H d'écart. Et moi, j'avais fait la proposition de l'appeler Niels Borium, en disant on a la chance d'avoir quelqu'un qui a un prénom et un nom court, appelons-le Niels Borium, symbole NS, et comme ça, il n'y aura pas en gros, de confusion entre boron, en anglais, le bor, et puis borium. Bon, tout le monde avait l'air d'être à peu près d'accord, on fait la photo de famille, vous voyez là, avec Niels Borium à la fin de la session. Sauf que, vous le voyez ici, et eh bien après, ben, moi j'étais sorti de la commission, puis je ne peux plus y assister, et les opposants à ce Niels Borium sont montés à la charge, et ils l'ont obtenu, et l'élément s'appelle aujourd'hui borium, symbole BH. Origine des noms. Sur les 118 éléments, donc près de la moitié, 57 exactement, ont un nom composé de racines grecques, latines ou autres langues anciennes. 30 ont un nom dérivé d'un lieu géographique, ville, région ou pays. 15 portent un nom qui s'appuie sur celui d'un personnage issu de la mythologie ou inspiré par le nom d'une planète, bien que souvent les deux coïncident un peu. Et 16 enfin rendent hommage à un savant, en général un homme, mais il y a deux femmes quand même qui ont eu cet honneur, Lise Meitner et Marie Curie, qui partagent néanmoins cet honneur avec son mari Pierre Curie. Alors, quelques exemples, vous voyez, je disais sur les racines grecques, latines ou autres, les 10 premiers, l'hydrogène, hydrogéné, hein, qui génère de l'eau, hélium pour Hélios, qui est donc à partir de l'arrêt jaune de la lumière solaire, donc Hélios le soleil, lithium la pierre, lithios pour minerai, beryllos, beryllium, beryllos c'est un cristal qui a la couleur de l'eau de mer. Le bore de l'arabe bourak, brillant, ou du persan bourrin, carbone, carbonis en latin, azote, azoone, privé de vie, puisque c'est un gaz évidemment, contrairement à l'oxygène, donc qui est tout à fait inerte. L'oxygène, alors ça c'est Lavoisier, mais c'est trompé, qui génère des acides, c'est pas tout à fait le cas. Fluor pour fluoré, fluéré, pardon, de la fluorine, le fondant. Et néos neutre, gaz neutre, effectivement, pour le néon. Donc voilà, et puis vous avez ici donc un certain nombre de noms géographiques. Hein, oui. Vous avez lutétium, francium, europium, par exemple. Vous avez l'équivalent berkelium, californium, americium. Scandium et thulium pour Tulia, qui est le nom donc, des provinces du nord de l'Europe. Ruthénium pour Ruthénia, qui est une zone à l'est de la Pologne. Polonium, bon, d'accord. Samarium pour Samarie. Holmium et hafnium, qui sont donc les noms de Oslo et de Copenhague, donc en latin, pour Perclef et Niels Bohr, qui ont tous les deux inventé ces éléments, c'était le nom des villes où ils étaient nés. Et Strontium, donc pour un village d'Écosse, on a trouvé l'élément, Strontium. Gallium, on en a parlé, Germanium aussi, Rhénium pour le Rhin, etc. 7 dans les 15 derniers éléments synthétisés, essentiellement des noms de villes ou de provinces où se situaient les grands accélérateurs. Vous voyez, Dumnum pour Dumna,
Assium pour As, la province d'Allemagne où se trouvait la ville de Darmstadt, pour l'élément 110, Nihonium, le Japon, Moscovium, Moscovie, Livermorium, la ville de Livermore, dans le Tennessee, d'ailleurs, pour le 117. Alors, une ville est particulièrement à l'honneur, la petite ville d'Iterby, en Suède, qui a été la racine des noms de quatre éléments de la classification, l'Iterbium, le Terbium, l'Erbium et l'Itrium. C'est un record qui, à mon avis, ne sera jamais battu. Hein. 15 porte un nom, donc, on disait, qui s'appuie sur un personnage ou inspiré d'une planète, Niobium et Tantal, hein, Tantal étant le fils de Zeus et le père de Niobé, Prométhéum pour Prométhée, Sélénium et Tellure, donc on voit bien ici la Lune et la Terre, Palladium pour Pallas, Cerium pour Cérès, Titane pour Titan, Thorium pour le dieu Thor, Uranium, la planète Uranus, et du coup les éléments suivants, vous voyez, s'appellent Neptunium et Plutonium, pour Neptune et Pluton, etc. 15 enfin, en hommage à un savant, en général un homme, je l'ai dit tout à l'heure, mais également deux femmes. Donc, le curium, l'élément 96, pour les Curie, l'einsteinium, Einstein, le fermium pour Enrico Fermi, le mendelevium, quand même, pour Dimitri Mendeleev, dont on parle depuis tout à l'heure, Nobel, Nobelium, Lawrence, donc Ernest Lawrence, pour le Lawrentium, Rutherfordium, pour Rutherford, Cyborgium, on en a déjà parlé tout à l'heure, Borium, Niels Bohr, on en a parlé aussi, Meitnerium, Lise Meitner, Rengen, Rengenium, Copernic, alors Copernic qui arrive là assez curieusement, parce que là vous avez eu quand même des noms de savants qui étaient intervenus un petit peu dans toute cette physique de ce siècle. Alors connaissant moi bien cette commission, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je pense qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un nom, et ils sont tombés donc sur ce nom et sont mis d'accord. Alors, le rapport dit que c'est parce que, voilà, Copernic, avec tout le système des planètes qui tournent autour de notre étoile, c'est un peu comme les électrons autour du noyau. Bon, on veut bien. Il reste donc Flerov, donc pour le Flerovium. Alors là aussi, ça a été une histoire parce que, en fait, Flerov, c'est le père de la bombe atomique russe. Alors, les Américains étaient opposés à ce nom, et puis bon, on a dit mais non, c'est un peu hypocrite hein, comme raisonnement, on met pas en avant Flerov, mais l'institut Flerov où on a fait ses découvertes. Bon, enfin, si l'institut s'appelle Flerov, c'est bien pour Flerov. Il y avait eu d'ailleurs le même débat au sujet de Mendeleïev, où certains Américains s'étaient opposés, en fait, parce que c'était un Russe, on était au moment de la guerre froide. Et il a fallu que Cyborg, ce fameux Cyborg dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, intervienne auprès du président des États-Unis, pour, avec donc tout le poids qu'il avait quand même aux États-Unis, pour dire que maintenant, là, on parle d'un savant, de quelqu'un, c'est international, c'est pas parce qu'il est russe qu'il faut lui interdire son nom. Donc vous voyez, de temps en temps, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis enfin, je vous en ai parlé, Yuri Oganessian, voilà, pour l'Oganesson. Alors j'ai dit 15. Rend hommage à un savant, il y en a peut-être un 16e, parce que Livermore, l'élément 116 pour Livermorium, en fait c'est une ville, effectivement, qui a été fondée, vous voyez, en 1869, mais celui qui l'a fondée, William Mendenhall, lui a donné le nom de son ami. Donc, bon, Livermore, au départ, c'est quand même le nom d'une personne. Juste, c'est presque terminé, hein, cette conférence, mais quelques épisodes un peu cocasses dans l'origine des noms. Je vais vous dire un mot sur les kobolds. Les kobolds, donc, en fait, ils sont issus du folklore allemand. Ce sont des petits esprits laids, apparentés, en fait, aux gobelins. Puis il y a les gentils kobolds, ceux qui vivent dans les maisons, vous savez, ils font des farces. Quand vous entendez des bruits dans la maison, la nuit, voilà, c'est les kobolds qui sont en train de se déplacer. Si le matin, vous cherchez le sucre, vous ne le trouvez plus, vous le trouvez un endroit où vous pensiez ne pas l'avoir mis, c'est que dans la nuit, voilà, les kobolds ont déplacé, rien que pour faire une farce. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Et puis, il y a un autre type de kobold, ceux qui vivent sous terre. Ceux-là, ce sont des créatures mauvaises, des méchants. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait beaucoup donc, de mines, et l'exploitation dans les mines conduisait souvent à des accidents, souvent mortels, et ça baignait la culture, quand même, de tous ces gens à l'époque. Et c'est eux qui étaient responsables, justement, de tous ces délits.
Et donc, on avait trouvé, on exploitait des mines d'argent à cet endroit-là, et puis on trouvait aussi des filons, une espèce de matière grisâtre, etc., qui n'avait pas de valeur. Et les mineurs disaient, allez, c'est encore la faute des kobolds, ils nous mettent ça rien que pour nous embêter, parce que ça vaut rien. Et ils ont appelé cet élément cobalt. Le mot cobalt, oui, vient de cobalt, c'est l'élément 27. Une autre anecdote assez cocasse sur l'antimoine. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, on me dit que le mot antimoine, ça veut dire l'inverse du moine, opposé au moine, ce que j'ai guère compris, puisque en anglais c'est antimony, si tu étais moine, ça sera antimonk. En anglais, bon. Donc la réponse, elle est ailleurs quand vous allez la voir. C'est un élément qui est connu depuis très longtemps, hein, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Cibium en latin, donc il y a des corps minéraux antimoniés, en général utilisés pour ça depuis très longtemps, comme cosmétique ou comme composant métallique sur des vases ou autres récipients. Et le symbole SB, d'ailleurs, qui est encore aujourd'hui, vient de ce tibium, symbole proposé par Berzelius. Et au 11e siècle, on voit apparaître le mot antimonium, et en fait, ça se viendrait du grec, anti, donc à l'opposé d'eux, effectivement, on est d'accord, et monos, qui signifie seul. Pourquoi? Parce que tout simplement, on croyait que ce métal était toujours combiné à d'autres, donc on ne le trouvait pas à l'état isolé. Anti-monos, anti-moine. Et c'est au 15e siècle que ce mot est traduit en français par antimoine, par Basile Valentin, en fait, qui était un moine bénédictin, qui travaillait donc sur cet élément, et qui avait l'habitude de jeter les résidus de ses expériences, donc dans la mangeoire des cochons, pour les engraisser. Et ceci, ben, il se portait bien, pas de problème. Sauf que leur viande était devenue toxique et avait occasionné de nombreux décès par empoisonnement parmi les moines qui la consommaient. D'où l'expression anti-moine. Nul ne sait si cette anecdote est réelle, mais bon, elle est trop belle pour pas être mentionnée quand même. 73 noms n'ont pas été retenus. Alors, je vous fais grâce, hein, des 73 noms. Vous voyez, parce que vous prenez rien que ces deux-là, par exemple, le 43 et le 86, le technétium aurait pu s'appeler, vous voyez, polonium, pélopium, ilménium, davium, lutium, niponium, masurium, panormium. Tout ça, c'est des noms qui ont été proposés et rejetés tout simplement parce que, en fait, les savants croyaient avoir découvert l'élément et ils n'avaient rien découvert du tout. Le radon, même chose, vous voyez, niton, ex-radio, ex-thorio, etc. Actinio, radon, thoron, radon, oui, c'est le bon nom, thoron, acton, radéon, thoréon, actinéon, actinon ou émanation. Alors, un mot quand même, une petite pensée pour Gilbert Newton Lewis. Le nom lewisien a été proposé pour l'élément 98, en hommage donc à ce grand chimiste, hein, les acides de Lewis. S'il y a des chimistes là, qui regardent ça, qui écoutent ça, ils le connaissent. Il était mort très très peu de temps, donc avant la découverte de cet élément. Et imaginez-vous que Lewis avait été nominé 41 fois pour le prix Nobel, sans jamais d'ailleurs l'avoir obtenu. C'est un record absolu, parce que quand vous regardez bien, entre la première année où on a pu disposer du prix Nobel, obtenir le prix Nobel, 1901, et la date du décès de Lewis, 23 mars 1946, au grand maximum, en étant tous les ans, ça pouvait être 45 fois. Il a été proposé 41 fois et il n'a jamais eu. Et encore cette fois-là, ça n'a pas fonctionné puisque l'élément va s'appeler Californium. Mais je tenais quand même à lui rendre hommage. J'en profite. Donc les savants qui ont découvert. Alors, bon, la médaille d'or, c'est quand même pour Humphrey Davy, qui est impliqué dans la découverte de 12 éléments. Médaille d'argent pour Berzelius, 9. Ensuite, vous en avez 3. Galissard de Marignac, Lavoisier et Ramsay pour 5 éléments. Et puis pour les 24 derniers, évidemment, c'est compliqué parce que ce sont des équipes entières en fait qui sont concernées. On cite souvent que le nom du patron, mais Giorzo pour 10 éléments, Cyborg et Hoffman pour 7. Et enfin, pour les 6 derniers, vous retrouvez Oganessian tout à l'heure, Morita et Shaughnessy. Mais ça ne retire pas leur mérite, mais à chaque fois, il y a une vingtaine quand même de chercheurs qui sont impliqués. Alors, Wynne Normandie, donc l'organisatrice de cet élément, avec son ancienne présidente que je salue, Marie Kirchner, qui a fait beaucoup d'ailleurs pour le développement
de Will Normandy. Et Will Normandy, c'est quand même Women in Nuclear, donc quatre femmes à l'origine de la découverte d'éléments. Marie Curie pour deux éléments, Lise Meitner pour le protactinium, Ida Noddack pour l'uranium et Marguerite Perret pour le francium. Et puis nucléaire, eh bien, je vais vous dire un mot quand même sur des éléments dont on entend beaucoup parler, en particulier à Cherbourg. L'uranium, par exemple, découvert en 1789. Et dans les monts métallifères, ces monts, vous voyez, forment sur 150 km une frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. Et ce massif doit son nom à de nombreux minerais, gisements de minerais, argent, étain, cobalt, nickel, mercure et fer, disséminés dans le sous-sol. Et la ville de Yakimov, par exemple, est située donc au nord-ouest de la Bohême, dans la vallée de Saint-Joachim, ce qui donne Sankt-Joachim-Stahl. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que on découvre une mine d'argent à cet endroit-là au début du XVIe siècle. Et les propriétaires, évidemment, des terrains où se trouve la mine, les von Schlick, sont plusieurs frères, deviennent donc les plus riches de la région. Et à l'époque, quand vous étiez propriétaire d'une mine d'argent, vous aviez le droit de frapper votre propre monnaie. Et entre 1520 et 1528, vous voyez, les frères Schlick firent frapper près de 2 millions de pièces qu'on a appelées donc Joachim Thalers de Sankt-Joachim Thal, la vallée. Ce nom va être abrégé par la suite en Thaler dans les pays germanophones. Ça deviendra Thaler en Scandinavie, Tolar en Slovénie et c'est l'origine en fait du mot dollar, puisque le mot dollar vient de là. Donc vous voyez, en fait, le mot dollar vient de la vallée de Saint-Joachim. Et c'est dans cette vallée, dans ces mines d'argent, à côté des mines d'argent, il y avait donc un autre élément que Klaproth va découvrir en 1789, un corps gris métallique, vous voyez, qu'on peut comparer à aucun autre, il est extrêmement lourd, et il envisage donc de l'appeler Klaprothium. Bon, on lui dit quand même, peut-être pas exagéré, donc surmontant son narcissisme un peu passager, il décide de le nommer Urane ou Uranium. Il en donne la raison dans sa publication dans la mémoire de l'Académie royale de Berlin. Je vous cite, je vous aimais cette citation. Regardez, c'est écrit dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin en français. À cette époque-là, on publiait dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin en français. Alors, les S sont un peu comme des F, hein. Bon, peu importe. Il faut par conséquent bannir de la nomenclature les noms décevants de Pechblende et Eisenpeckers. On doit assigner un nom nouveau à ce fossile, et les E est écrit comme ça, c'est le lui conserver exclusivement. Je me prévaut des droits incontestables de tout inventeur, et je donne à ce métal nouveau le nom d'uranium ou urane, emprunté de la planète Urane, dont la découverte est également récente. Ceci vous explique pourquoi les deux éléments suivants, le 93 et le 94, vont s'appeler, à la suite donc d'Uranus, Neptune et Pluton, Neptunium et Plutonium, avant que les Américains qui font ces découvertes se disent « Oh bah quand même, il faudrait mieux qu'on fasse notre publicité » et ils vont s'appeler Berkelium, Californium et Americium. Et la ville de Yakima, vous voyez, va savoir tirer parti de ses bienfaits. Encore aujourd'hui, vous voyez, vous avez le Radium Palace, où vous pouvez aller prendre des vacances bien méritées. Donc on dit qu'il a découvert l'uranium, en réalité c'est l'oxyde d'uranium qu'il a découvert, et c'est un de mes collègues, Eugène Péligaud d'ailleurs, qui était professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, qui a isolé, lui, l'uranium métallique. Et c'est Marie Curie qui va découvrir les propriétés radioactives de l'uranium en 1898. Les deux éléments suivants dont on parle beaucoup, donc ici le neptunium, vous voyez, découvert en 40 par Macmillan et Abelson, trouve évidemment pas de traces de fission, parce qu'on en cherchait à l'époque, et c'est le plutonium découvert un peu plus tard dans l'année qui, en utilisant cette fois-ci un cyclotron, va découvrir, l'équipe donc de Seaborg dont je vous ai déjà parlé va découvrir le plutonium en bombardant, vous voyez, de l'uranium avec des noyaux de deutérium. Voilà, à partir de cet élément, tous les noms jusqu'au dernier porteront le nom d'un savant ou d'un nom géographique. Vous voyez que le curium, là, les curies, se sont insérés un peu entre l'Amérique, Berkeley et la Californie. Alors, une petite anecdote aussi, on découvrait tellement vite ces éléments à cette époque que le journal, vous voyez, New Yorker, fait remarquer en 1950, de façon un peu sarcastique à l'équipe de Seaborg,
qu'il avait raté une belle occasion de promouvoir l'université. Parce qu'il dit, bah, au lieu d'appeler les éléments berkelium et californium, vous les auriez appelés universitium et ophium. Après, vous auriez universitium, ophium, berkelium, californium. Et Cyborg a répondu avec beaucoup d'humour qu'ils y avaient pensé, mais qu'ils n'avaient pas voulu prendre le risque en écrivant universitium et ophium que la côte S découvre les deux éléments suivants et que du coup, ils les appellent Nullium et Yorkium. Je ferme cette parenthèse pour finir quand même une mention spéciale pour Mendeleïev, qui avait prédit donc les propriétés de nombreux éléments inconnus et qui est à l'origine de ce classement. Vous avez les mémoires de la Société nationale des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg qui reprennent l'essentiel de ce qui a été développé ici et ils sont à votre disposition. Vous pouvez les obtenir donc auprès de la Société des sciences dont il se trouve que je suis le directeur depuis quelques années. Merci beaucoup pour votre attention.